Bonjour tout le monde. Attention, cette vidéo est très nocive pour la santé mentale. Je vous conseille donc de quitter tout de suite en mettant un dislike. Premièrement, la théorie loufoque qui a germé dans mon esprit torturé n'a pas l'objectif de démontrer la forme de la Terre. Commencez pas à me casser la tête les gens. J'efface les commentaires plus vite que mon ombre. Deuxièmement, nous sommes capables d'observer notre environnement et dans nos observations, nous avons constaté que les planètes existent, qu'elles sont sphériques et qu'elles nous entourent. Si tu n'es pas convaincu, avec un télescope, il est très facile de les distinguer. Et je te parle même pas de Vénus qui est visible à l'œil nu une fois tous les 2-3 ans et sur une période de quelques jours. J'ai entendu des discours comme quoi les planètes n'existent pas, c'est des effets spéciaux, blablabla. Bla, bla. Ferme ta bouche. Et retourne mettre ton pouce là où tu sais. Dans cette vidéo, nous allons parler de ce fameux signe 12 qui est ressorti plusieurs fois dans les bilans d'incidents, de massacres, de tragédies et d'accidents qui ont eu lieu le 17 juin Corpus Christi satanique sous pleine lune. Et naturellement, ces incidents ont été noyés parmi d'autres incidents. Un débile profond m'a sorti « Il y a des attentats tous les jours dans le monde ». Déjà, ça c'est complètement faux, et mec, si t'es pas capable de comprendre qu'il y a des pics d'attentats pendant des fêtes sataniques, tout comme il y a des pics sismiques pendant des alignements de planètes, retourne donc dormir assis sur ton pouce et casse-toi, pauvre con. Ouh là là, j'ai dû me faire 79 trolls en 5 minutes. Oui, alors j'étais en train de vous parler de ce fameux 12 qui est ressorti sous la forme de victimes d'incidents. L'incident c'est quoi ? Le séisme, 12 morts, 17 juin. Si les images vont trop vite, appuyez sur pause. Sous forme de massacre. Le massacre, c'est quoi? Attaque terroriste dans la province d'Alep, 12 morts, 17 juin. Sous forme d'accident. L'accident, c'est quoi? Indonésie, accident d'un bus, 12 morts, 17 juin. Et sous forme de tragédie. La tragédie, c'est quoi? Naufrage des migrants, 12 morts, 17 juin. Je vais encore me répéter. Mais ces incidents se sont passés le 17 juin, Corpus Christi satanique sous pleine lune. Jusque dans mes os, je sentais que ça n'était pas normal. Je commence à connaître les loustiques d'en face et j'ai remarqué que ce 12, qui réapparaissait souvent durant la journée, bah que c'était pas un hasard. Et vous savez quoi? Bah je pense que j'ai trouvé. Mais vas-y, accouche là! Purée, le mec nous banane pendant 10 minutes et il a toujours pas balancé sa théorie à deux balles, mais etc. On va te sacrifier si tu continues, là. Déjà, on est super coulants avec toi, là-haut. Oula, détends-toi, Germaine. Hein. Trouve-toi un mec, tu verras, ça ira mieux. Je rappelle que cette vidéo doit être regardée jusqu'au bout pour être comprise. Tous ces incidents m'ont amené à de la numérologie faisant partie intégrante d'un ensemble, parce que sans une vision d'ensemble, on ne peut pas comprendre. Cet ensemble, qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire, le présent et les médias moisis des élites incultes de l'élite occulte qui nous prennent tellement pour des débiles, et à bien des égards, beaucoup de gens le sont, hein, qu'ils ne font même plus d'informations avec les médias, ils font juste du conditionnement. Les médias nous parlent, les médias nous expliquent et nous réconfortent dans le fait qu'il va se passer des trucs terribles. Dès que vous avez compris ce langage-là, vous verrez que les infos, elles seront différentes, hein, vous les verrez plus de la même manière, quoi. Donc ces médias du 17 juin nous parlent d'éruptions solaires possibles entre 2023 et 2026, chose à laquelle je n'ai prêté aucun crédit ni aucune attention. Mais en voyant cette info du 21 juin pendant le solstice, mon instinct a tiré la sonnette d'alarme et je me suis dit « Waouh, la vache !» Et sans mauvais jeu de mots, hein. Désolé. Hein. Alors, avant le pourquoi et le comment, nous allons nous intéresser au quoi. Qu'est-ce qu'on voit les petits loups? Qu'est-ce que c'est que ça? Allez, je vais vous dire ce que moi je vois. C'est un crop circle qui a été retrouvé en Alsace le 21 juin, dans un champ. Les médias de déjection maçonnique nous expliquent que ça a été réalisé par un prof de maths et 60 élèves. 60 élèves les gars, enlève le zéro, hein, si tu comprends pas, 60 élèves. Mais bon, c'est pas important, c'est pas grave, ça on s'en fout. Hein. Allez, je ferme la parenthèse. C'est peut-être vrai ou c'est peut-être faux, peu importe. Mais quelles sont les chances de choisir ce type de crop circle au moment où son message a le plus de sens? J'ai
J'ai transformé l'image pour que ce soit plus pédagogique. Qu'est-ce que nous voyons, les gens, là? Là, nous voyons un alignement de planètes. Nous voyons le soleil au milieu. C'est le plus gros, c'est le patron, c'est le boss, aucun doute, hein, c'est le soleil. J'ai mis un point jaune. Derrière le soleil, nous voyons une planète avec son satellite. Donc, bah, j'ai mis la Terre et la Lune. Hein. Voilà. Donc, point bleu pour la Terre et point gris pour la Lune. Devant le soleil, nous avons un alignement de quatre planètes. J'ai mis des points noirs. Et les points violets, ça vous fait penser à quoi? Allez, un petit effort, les petits loups. Qu'est-ce que c'est que les points violets? Ben, les points violets, ça me fait penser à des éruptions solaires. Pas vous? Je suis vegan, je me suis teint les cheveux. Eh, Vedera, c'est quoi une éruption solaire? Une éruption solaire se produit périodiquement à la surface de la photosphère et projette à travers la chromosphère des jets de matière ionisée qui se perdent dans la couronne à des centaines de milliers de kilomètres d'altitude. Elle est provoquée par une accumulation d'énergie magnétique dans les zones de champs magnétiques intenses au niveau de l'équateur solaire, probablement à la suite d'un phénomène de reconnexion magnétique. Le Soleil fait souvent des éruptions solaires, mais quand ça arrive au même moment qu'un alignement de planètes, oh là là, 3 heures pour ça? Mais tu vas en venir où, là, espèce de pouilleux? Ah, c'est bon, ça vient, ça vient. Désolé, je suis un peu long, mais c'est pas plus mal, hein. Du 28 août au 2 septembre 1859, il y a eu de grosses éruptions solaires pendant 7 jours qui ont foutu le système électrique de cette partie du monde HS. Il y a eu des aurores boréales visibles à Cuba, Singapour et Hawaï. Je suis vegan, je me suis teint les cheveux. Eh, Vedera, dis, c'est quoi une aurore boréale? Les aurores boréales sont provoquées par l'interaction entre les particules chargées du vent solaire et de la haute atmosphère. Les aurores se produisent principalement dans les régions proches des pôles magnétiques où la magnétosphère est moins épaisse. D'ailleurs, les aurores boréales nous démontrent et nous prouvent que nous avons une magnétosphère qui nous protège des radiations spatiales et du rayonnement solaire. Je me suis dégoté un programme qui m'a permis de voir l'état de l'alignement des planètes le 28 août 1859 et regardez le joli petit alignement, regardez. Assez joué, venons-en au fait. Attachez vos ceintures les petits loups parce que ça va décoiffer. J'étais en train de vous parler de ce fameux 12. Le 12 qui est ressorti sous la forme de victime d'incident. L'incident c'est quoi? Le séisme, 12 morts le 17 juin. Sous forme de massacre, donc le massacre c'est quoi? Attaque terroriste province d'Alep, 12 morts le 17 juin. Sous forme d'accident, l'accident c'est quoi? Indonésie, accident d'un bus, 12 morts, 17 juin. Sous forme de tragédie, et la tragédie c'est quoi? Naufrage des migrants, 12 morts, 17 juin. Je vais encore me répéter, ces incidents se sont passés le 17 juin, Corpus Christi satanique sous pleine lune. Jusque dans mes os, je sentais que ce n'était pas normal, et je commence à connaître les hostiles d'en face. J'ai remarqué que ce 12 apparaissait souvent pendant cette journée, et je me suis dit, mais là, c'est pas un hasard, c'est pas possible, quoi. Donc je me suis intéressé à ce 12, j'ai focus ce 12, et je suis tombé sur la conjonction Saturne-Jupiter-Pluton de 2020, le 12 janvier, à 22 degrés Capricorne. La minute pédagogique, numérologie. Le nombre 12 symbolise ce qui est achevé. On parle parfois d'un chiffre parfait. Il est interprété comme la fin d'un cycle. Le 22 est le symbole de grandes ambitions, du visionnaire, du génie, des grands accomplissements, du grand créateur, mais aussi de l'excès de tension, de dépression et d'autodestruction. Allez, regardons à quoi ressemble le système solaire le 12 janvier 2020. Et ça, c'est basé sur le peu de ce que l'on sait. Imaginez qu'une hypothétique naine rouge, qui n'existe pas, hein, et se baladant avec ses satellites, qui n'existent pas, rentre dans cette équation. Mais suis-je bête? Le Vatican ne recherche pas de naine rouge depuis 1868.
La spécialité du père McCarthy, un astronome qui a travaillé 40 ans pour le Vatican, n'est pas l'étude et la classification des naines rouges. Et le Vatican ne possède pas plusieurs télescopes dans le monde, dont un qui s'appelle le Dominion, qui se trouve au Canada, et construit en 1900 avec les armoiries de la famille royale d'Angleterre, dont la devise est « Dieu est mon droit », incrustée en 3D sur la façade. Cette photo nous offre une certitude, c'est d'époque. Rien n'a été enlevé ni rajouté. Allez, lisons quelques lignes de l'éloge du père McCarthy sur le site officiel du Vatican. Le père McCarthy a pris sa retraite de l'Observatoire du Vatican en février 1999. Donc c'était le Advanced Telescope Observatory. Donc c'est un des 18 télescopes que l'Église possède. Mais bon, je raconte des merdes, t'inquiète. Après plus de 40 ans de service, le père McCarthy a pris sa retraite et bien sûr il est mort. Je sais plus en quelle année il est mort, mais donc voilà, il est mort. Et avant de mourir, il était au centre de santé de Campion Weston aux États-Unis. Il a eu des prix qui lui ont été décernés, donc le prix Turing de 1971, le prix Kyoto de 1988, le National Medal of Science 1991 et Benjamin Franklin Medal 2003. Alors, regardons un petit peu les intérêts scientifiques de cet astronome. Alors, regardez un petit peu, j'ai entouré pour bien que ça se voit. Intérêt scientifique. McCarthy participe depuis longtemps à l'étude et à la classification des étoiles au carbone. Qu'est-ce que c'est qu'une étoile au carbone ? Les étoiles de ce type sont des étoiles rouges qui ont été découvertes par le père Angelo Secchi en 1868. Mais je divague complètement les gens, vous savez, je suis un fou et un abruti. Oh putain, le mec t'a sorti des éléments des médias et t'a monté un scénario mieux qu'à Hollywood. Wesh, mais t'es un tueur, bâtard. Wesh. Petite précision, à aucun moment je n'ai parlé de fin du monde. Comme vous le savez, les nations ne s'excitent en aucun cas dans tous les sens, preuve que tout va bien. N'oubliez pas, je ne suis ni un extra-lucide, ni un voyant, je suis juste un tordu et un malade mental qui raconte de la merde. Parfois, j'ai des gros coups de chance. Le temps corrobore mes élucubrations abracadabrantes. Allez, bisous la oreille. Au revoir. Oh là là, c'est pas vrai, chef. Il y avait des rats, il recommence. Géniard, cesse d'importuner ce gueux. De toute manière, ils vont tous crever. Et pendant ce temps, nous serons à l'abri dans nos bunkers que eux ont financés. Et nous pourrons reconstruire une société composée de larves soumises. Bon, c'était déjà le cas avant, mais là, ce sera pire que pire. Géniard, va donc me chercher un château Rothschild. Tu sais, les bouteilles à 100 000 $, là. Merci. Ah oui, j'en bois 4 dans la semaine, des comme ça. Ah oui. Bouge inutile.